On est reparti, bienvenue, bienvenue. Alors, la dernière fois, on avait parlé du fait que on allait sûrement dans la zone du gaz, et c'est ce qu'on va faire, honnêtement. Je pense qu'on va faire ça pour le moment. J'ai pas de meilleure idée. En fait, c'est là, donc on va voir où ça nous mène. Donc on va aller... je crois que c'est le gaz, en tout cas. Ouais, je pense. Donc j'ai augmenté des trucs, enfin niveau 1, un peu, pas plus que ça. On a deux torches parce qu'on va pas mettre le casque du coup. Donc je me suis équipé en abeille, donc en ranger. Hein, donc on a la lance et le couteau, plus arc et arbalète. Arc et arbalète sont niveau 2. Je pense que peut-être c'est un peu overpété de prendre dague et lance. La lance honnêtement devrait peut-être plus les toucher. Parce que bah, on a débloqué le truc quoi, ça sert un peu à rien de... Change de coup critique. Ça ne sert un peu à rien, comme j'ai dit, je voudrais maintenant essayer d'augmenter un peu les mutations à chaque fois. Donc par exemple lancier c'est au max, donc on n'a plus vraiment trop besoin d'utiliser de la lance. Ça, connaissance, genre vos compétences de cueillir appliquées et vos prouesses de chasseur ne font qu'une. Une connaissance approfondie des créatures du jardin gravée dans votre mémoire vous donne une chance d'effectuer une puissante coup critique. Je pense que c'est parce qu'on les a peut-être analysés. C'est possible que ça soit ça. Donc du coup, je l'ai mis, et vu qu'on va faire de l'arc, donc œil de lynx, maître de la parade parce qu'on n'a plus la coccinelle, et de la vie en plus. Honnêtement, il n'y a plus grand-chose après qui peuvent aider, comme on n'utilise pas la lance, donc lancier sert à rien. Donc je vais essayer de continuer à tuer des trucs à la dague. La dague osseuse, elle est quand même vachement bien, je la trouve vraiment cool. Donc ouais, parce que en tuant des trucs à l'arc, on a débloqué une mutation, en tuant avec la lance, on a débloqué une mutation. L'épée, on n'a rien, la dague, on n'a rien, l'arbalète, on n'a rien, la masse à deux mains, on a, c'est barbarien là, barbare. Donc ça aussi, il faudra l'augmenter, mais pour le moment, on est agile, donc on va pas utiliser ça. Donc ouais. Ça suffit. Je pense qu'on est bon là. On a trois armes. Je pense que c'est bien. Enfin, je crois. J'aimerais bien une autre arme, mais bon. J'aime bien partir avec deux armes de mêlée en fait. Ah, parce qu'on sait jamais. Mais après, on peut toujours utiliser ça en arme. Hein. Genre étourdissement, le marteau, c'est énorme. C'est vraiment énorme l'étourdissement au marteau. Et le pire, c'est la pelle. Donc c'est vrai que si on est à court d'armes, on peut toujours utiliser ça. Ok, c'est parti. Ah, j'ai pas... Oh, j'ai pas de... Ah la vache, t'es sérieux? J'ai pas fait cuire d'aliments. C'est grave. Ah, on s'en fout. C'est parti. Donc là-bas... Ah, c'est peut-être pas le gaz. J'en sais rien, en fait. Si, c'est le gaz. Ça revient jamais. Non, ça revient jamais. Non, c'est peut-être pas le gaz. Je sais pas, on verra. De toute façon, on a le masque gaz sur nous, mais on peut en créer... Si on vraiment doit le virer, on peut en créer un autre, donc c'est pas grave. La célérité, c'est peut-être pas mal aussi. Je sais pas. À la place du blocage... C'est pas trop. À la plage du blocage. Non, si, c'est le gaz. Si. Ok, alors. Masque. Ça. Très bien. Et on va manger ça. Oh. On est d'accord que ça, c'est une dent, ça. Ouh, c'est une danse. Alors, on va faire l'arc. Si, c'est une danse.
Ok, par où? Let's see what's around here. Comment? T'es sérieux? Faut faire tout le chemin? Y a pas de, de descente en fait en plein milieu. Okay. Bah, ça me fait pas peur, hein. Ça me fait pas peur. Oh, tu m'embêtes. Je savais que t'allais venir. Je crois que techniquement l'arbalète reste quand même plus intéressant. I don't want any trouble, Ant. Je crois. Parce que ça fait plus de dégâts et. Je crois que ça fait plus d'étourdissement aussi. Oh, ça me fait peur. Je sais pas. Je pense que le. L'arbalète reste mieux que l'arc. Après, si on arrive au. Si on arrive à augmenter l'arc au maximum. Ah, attends, là par contre on peut prendre l'arbalète. Ah merde. Oh putain, j'avais oublié qu'elle faisait ça. What the fuck. Après on consomme peut-être moins d'endurance, je crois. Ok, très bien. On peut reprendre notre, notre endurance. Ok, très bien. J'avais oublié qu'elles sautaient comme des saloperies là, c'est ouf. On récupère de la moisie. Tu vas mourir. Ça, c'est drôle, ce serait marrant qu'elle mute en fait devant moi. Enfin devant nous quoi. En vrai quoi. Ouais non, ouais on gagne la position. Donc là, honnêtement, on peut pull plein de monstres et les mettre dans le gaz et ils vont mourir automatiquement. On est d'accord. Bon, là, il va falloir les tuer quand même. Je voudrais bien descendre. Je pense que l'arbalète est mieux là. Parce qu'on a pas besoin de bouger. C'est quand même plus de dégâts. On a encore 42 flèches, c'est bon. Le truc qui bouge vers moi là.
Ça va être bien quand on va commencer à voir. Oh la vache, elle a réussi. Pas fait attention à mon endurance. Ça va, notre masque il est pas pété au moins. Oh la vache, là ça faisait un peu peur. Putain, fait chier, on a perdu énormément de vie pour pas grand chose quoi. J'ai pas mangé. C'est ma merde. Et encore une autre. Que je peux commencer à descendre, mais il y en a encore d'autres. Donc je voudrais toutes les faire le plus safe possible, hein, évidemment. Elle est où cette saloperie? Ah putain, elle est peut-être sous la plume. On voit strictement rien. On doit être par là. Je sais pas. Ah, on peut y aller. Ça va, on commence à être presque plein en vie. On y va aller. Alors, faut faire gaffe qu'il y a des explosions. Ça, c'est à la hache. Hein. Ok. On récupère des trucs automatiquement ou pas? Chaque fois, je fais pas attention. Ah non, c'est ça. Ça. C'est ça. La moisissure? Je sais pas. Champignons du brouillard. On est bon pour le moment. Attention, il y a un truc qui explose juste derrière. Thank you.
Ah ouais, non, ça marche bien. Ça marche bien, bien, bien. Avec les coups critiques et tout, la dague, top. Je confirme. Je confirme. Pas mal cet endroit non, aussi hein, pour explorer honnêtement c'est fun. C'est fun ici, j'aime bien. Après c'est pas le plus simple hein, parce qu'il faut de l'équipement et tout. Mais vu que... Yeah, Brice Rock 3. Vu que nous on est équipés, ça va. On pourrait changer les mutations directes aussi pour le Brise Rock et tout. Je crois qu'on taperait genre deux fois au lieu de trois, des trucs comme ça. Mais... honnêtement, c'est un peu galère. Ah, attends. D'abord, je voudrais voir ça. Ça donne rien en fait de faire ça. Super, tu la vois. Tu la vois, moi non. Non mais il a, par contre je voudrais bien voir dans les stats, mais on n'a pas, hein, mais c'est le taux de critique par arme. Parce que je crois que la dague, bah après on tape beaucoup de fois, mais je dirais que la dague elle a un taux de critique beaucoup plus élevé. Parce que quand je regarde la vie, elle disparaît hein, des fois. Hein. C'est un peu incroyable. Okay, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Y a d'autres. Il y a des larves. Ça, ça. Il y en a d'autres. Ah, c'est... faut avancer méthodiquement. Et savoir quand faire demi-tour. Surtout ça, le truc. Savoir quand faire demi-tour. Je
faut bien redescendre parce qu'il y avait des trucs intéressants. Est-ce qu'on peut remonter par là? Je m'en rappelle plus. Ça fonctionne. Hmm. Ah si, 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 on peut remonter. Parce qu'il y a quand même des pierres encore. Qui m'intéresse. Alors, c'est pas bien la... c'est pas bien la dague. Putain, ça tue. Pas tes bombes. Espèce de folle. Je crois qu'on est bon, je crois qu'on peut partir. Je crois qu'on peut y aller. On a récupéré pas mal de petites choses. Ça va, on a de la moisissure de côté, ça c'est bien ça. Juste pour manger, si jamais on doit manger. Il y a une loup de ce côté. Je me demande si on peut la... Ouais, non, mais elle a tellement de vie, elle va mettre 3 heures à crever. Mais du coup, je suis certain qu'on peut la foutre dans le gaz. Bon, par contre, ça m'amuse pas vraiment. On va faire le tour. Nous, on doit aller où? Je me rappelle même plus. Je vais enlever le marqueur. Ok, on est de retour dans la zone. Je sais qu'on avait une zone de recherche qu'on avait découverte. On va continuer à explorer. Ah! Charançon. Je crois qu'il se suicide, non? C'est intéressant cet endroit, hein. Je trouve ça vraiment cool qu'ils aient fait ça. Genre des choses bizarres et tout. Ça a l'air profond. J'ai tellement envie d'y aller. Oh la vache.
Oui, les acariens, ils te tirent des trucs. J'ai pas un lance-grenade. Attention. Bon voilà. Très bien, 62. On a perdu 0 flèche, je crois. Je crois qu'on était parti avec 62, genre 2 stacks et 2 flèches qui se baladent comme ça. Quasiment sûr. Ah putain, merde, sérieux. Gonna have a look around. Ça se fait exprès pour te, pour que tu fonces dans le précipice quoi. Ça c'est une punaise morte. Je voudrais bien tirer en fait à l'aveuglette un peu, mais j'ai pas envie de perdre mes flèches pour voir si vraiment il y a rien du tout. Champignon. Vous croyez que c'est un champignon normal ça ou pas? Vas-y, on va tester. Bah la réponse c'est on sait pas. Lol. Super. Par contre, c'était une loup normale ou une loup mutée? Parce que... Elle n'est pas dans le gaz, là? Non, il n'y a pas le gaz de ce côté-là. En fait. Encore heureux que le gaz, il n'est pas... Enfin, le masque à gaz, il n'a pas une durée. Hein. C'était déjà assez chiant comme ça, l'eau. Bon. Ouais. Je voulais voir ça faisait quelque chose. OK. Avion. Marbre suprême. Merde, c'est du niveau 3. Morceau de champignon. Ah, c'est un nouveau. Ok. Science.
Putain de ta merde. C'est ce qui est en train de se passer. Elle va me repousser, cette connasse. Ok, tout va bien. Merde! Je peux pas vraiment... J'ai pas la portée en fait. Putain! Elle était à moitié de sa vie. Ah mais cette débile, elle tape le... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle était à moitié de sa vie, elle était en train de crever. Elle était en train de crever du poison. Du gaz. Ah la vache. Saloperie, quoi. Espèce de saloperie de merde. Ah, ça me fait chier. Merde. Je prends ça, c'est pour réparer le bouclier. Je sais pas si j'aurais pu faire autre chose, genre courir. Ah mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, elle court super vite. Genre elle aurait aggro comme une débile autre chose peut-être. Ah, je sais pas. Par contre, l'équipement il a pris cher. Ah, ça fait chier. 6. Est-ce qu'on peut le. Ça coûte quoi? Une. Parce que j'ai pas vraiment envie de trop utiliser non plus, hein. Faut pas exagérer. Ah, mais ça cuit en même temps? D'accord. Ça va, ça cuit. Ça, c'est bien au moins. Oh, on a plein de toiles. Je pensais qu'on en avait une vingtaine. En fait, non. Ça m'embête. Ça m'embête. J'aime pas mourir comme ça pour pas grand chose. On avait bien joué. Cette connasse là. Connasse qui juste qui passe dans le. Dans les parages là, qui aggro pour rien. Putain, ça c'est relou. Genre elle est pas fun en fait.
J'aurais dû peut-être faire de la nourriture. Elle est juste pas fun en fait. C'est ça le problème. J'avais pas vraiment les armes pour et l'équipement pour en fait. Ah, je peux pas faire mieux de toute façon. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai hyperactivité? De base. Va te faire bien mettre, comme ça c'est une autre, je crois. Give me a plate of this. Concentration. Blindé. Okay, très bien. Everything better still be here, you stupid ants. Ah! Ça. Ça. Non, pas transférer en fait. Ok, cool. Cool. Nickel, on a tout. Je fais un peu le tri parce que faut faire tri. On est bon. On va prendre un peu les soins. Bah tiens, on peut prendre tout en fait. Quoique. Non, pas tout. Qu'est-ce qu'on jette? Je serais pas étonné qu'elle soit morte, cette connasse. Ça sert à quoi? Je comprends pas en fait. On gagne rien. Ça juste ça enlève le brouillard, c'est ça? Non, ça donne de la moisissure en fait. Oui, non, ça donne juste de la munition. Okay, ça. Bon, on a du champignon spécial là. Des choix. Et on voit rien. Ah,
Rien de rien. Bon, ça c'est vachement bien. That was refreshing. Oh. Je disais pas haut pour ça, je disais haut pour la dent. Bon. Ça va, on a notre... Quartzite suprême. Non. Quartzite suprême. Intéressant. Donc là, il y a du suprême. C'est pas mal, ça. T'es aveugle ou... Merde. Oh la vache. Oh là, ça me gavait. Ah, ça va me pomper l'air. It's no women crying, but it's better than nothing. Tout va bien. Ouais. Je pensais que la deuxième explosion allait pas me toucher, c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment demi-tour. Mais je crois que bloquer ça sert à rien en plus. Je sais pas. Vu qu'on voit rien, je suis pas super mobile en fait. Je reste plus ou moins sur place à faire avec la dague là. Parce que ça marche bien, mais Ouf, ouais, c'est dangereux quoi. Ah là là, c'est de la merde. Tout ça parce qu'on voit rien. What the fuck? What the fuck? En dessous. Oh la vache. Wow. Plus d'endurance, ça tombe bien. Bien, bravo, bravo.
fait, merde. Rub time. Parce que si j'y vais encore à corps, je sais pas. Si j'y vais au corps à corps, c'est le. Ouais, c'est l'explosion en fait qui peut me tuer. Ah merde, c'est ça. Ok, par contre, il me faut le champignon. Putain, quel bordel cet endroit. Bon, on continue encore un peu. Continue encore un peu et on voit où ça nous mène. C'est bien. Au moins, on en aura un bon. On aura un bon stock. Putain, elle prend rien en dégâts, c'est ouf. Un peu rien. Alors je sais que de base je crois qu'elle est un peu résistant au pic. Elle, ce qu'elle aime pas, c'est le contendant, donc genre masse et tout ça. Mais là avec les HP qu'elle a en plus. Le point faible, c'est ses jambes, honnêtement. Toucher les jambes, tout ça, n'a pas l'air de faire grand chose. Pas qu'elle reset.
J'y ai presque, j'y ai presque. What the fuck? Putain, c'était pas sur le machin, quoi. Moisissure, tête de coccinelle. Ouais, bon, les parties de coccinelle et la moisissure. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a récupéré des nouvelles choses. C'est les champignons pourris, là, contaminés. Donc peut-être nouvelle recette. Sûrement nouvelle recette. On en a que 4. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever ? Regarde s'il n'y a pas des flèches encore qui traînent. 61. Ok. Ouais, putain. La ramasse pas automatiquement, voyons. Puis je viens de l'acheter. Des plumes. Encore des bestioles, sûrement des larves. Je sais pas trop comment... autre que la distance, on pourrait les combattre, en fait. Enfin, après, non, si, si, je l'ai fait... j'ai déjà fait, quoi, ouais. Genre avec la dague et tout, ça les stun. Oh mon dieu. Ah non, tous les ennemis infectés, ils vont voir ce qui se passe, hein. Ils s'entraident. Ils s'entraident complètement. Ou alors une... Merde. Une arme à deux mains, ça pourrait être intéressant aussi. À deux mains pour les déstabiliser facilement. On va reprendre des champignons histoire d'en avoir un paquet parce que j'ai pas vraiment envie de revenir ici. Super. C'est quoi le maximum 10? C'est consommable ou pas? Ou non? Non, du coup non, c'est 20. Enfin, y retourner, on va y retourner, hein. C'est pas la question. Là, on arrêtera là notre session, j'ai pas envie d'y retourner de direct. Ah putain, c'est quoi ça? Encore des acariens.
Plein de champignons de ce côté, intéressant. Casse-toi. Là-bas, on a le centre de recherche, on l'avait déjà trouvé. Ah, le bruit que ça fait, quoi. On a encore des champignons. Je crois que c'est encore des trucs bloqués dans la paroi. Il est où le... Il doit être en face le labo. Abreuvage, mutation détectée. Tu vois. Tu es un vrai rat de biotechnologie, c'est un bon pavé de texte. Il y a la composition de toutes les boissons ne peuvent te faire du bien. Hydratation plus. Ah, ça va être utile pour l'endroit là où on a soif plus souvent. C'est bien ça. Ça c'est vachement bien. C'est vachement cool ce système de... Je trouve moi à chaque fois. Ce système de mutation, parce que ça aide et tout pour le terrain par rapport à où on est et tout, c'est cool. Oh, merde. Je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa. Surtout qu'elle se déclenche bien, je trouve. J'aurais bien trouvé une arme à deux mains. Mieux. Oh putain de merde. Je sais que avec la science, on peut acheter. Comment ça s'appelle ? 4 duvets, putain. La masse du froid ou un truc comme ça, ça peut être intéressant. Ça y est, on s'approche. La masse du froid, un truc comme ça, ça peut être bien, mais je crois qu'il nous faut du matériel qu'on connaît pas encore. Mais après, il y a masse à deux mains, j'ai que ça. Hein. J'ai que celle... Non, j'en ai deux. On a celle à pique et celle avec les fourmis rouges. Mais ouais, faudrait une autre.
Xer. Non, mais on va pas le déclencher. Ça vous dit d'aller là-bas? Moi non, pas du tout. Hein. Oh merde, attends, mais c'est là qu'on doit aller. On s'approche de la puce, là, de l'entrée, du coup. Des mouches? On en a déjà vu, des mouches? Attends. Si, si, ouais, ça. Insecte veut que tu partes. Oui, bah merde. Ok. Vous avez qu'à pas m'attaquer aussi. Ouais, bah alors là, si tu peux toujours courir pour que je saute. On sautera un jour, hein, pas maintenant. Dis-moi que c'est l'ouverture. Labo de brouillard, yes. Sens de l'orientation. Non, il faut un explosif. Ça a marché? Non. Je rêvais, hein, je rêve. Ouais, je rêve. Ah, moi, je le voyais bien marcher, hein, le truc. Hein. Ah, donc faut venir avec des bombes. Je vais oublier ça de faire ça. Avec des bombes. Donc on a trouvé le labo. Donc c'est quoi ça là-bas là? C'est une zone secondaire, j'imagine. Ça donne vraiment pas envie. Ça donne pas envie. Trop de toile. Même s'il y a rien, ça donne pas envie. Bon, 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 bon. Bon, on a trouvé l'entrée du labo. Peut-être qu'il n'était pas assez proche le truc pour exploser, mais ça m'est
Enfin, quoi que non, ça pourrait. Alors, attends. Là, on a célérité 2, maintenant. Ça peut être pas mal, célérité 2. Voir un peu la différence. Genre ça, c'est la course célérité 2. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas encore avec... au niveau de la... des chaussures, mais c'est pas mal. Pas, surtout quand on est en ranger, de toute façon, ça c'est bien. Bon, je crois qu'on va partir. Je crois qu'on va partir. On va regarder un peu aux alentours s'il n'y a pas autre chose. Je vais peut-être en parlant de ça. Je Mais elle crève pas, elle. Il n'y a plus de gaz de ce côté-là. Ça me saoule. Sans déconner, quoi. Sans déconner. Est-ce que vous voulez me suivre jusqu'au labo? Vas-y. Je vais crever à faire ça. C'est parti. Je reviens. Je veux vraiment... Moi, je, dans un sens, je me dis que ça peut marcher. Hein. Faut juste qu'il s'approche au max. Va savoir comment... Ah putain, tu vas me saouler. Non. Oh, je suis un génie, je suis un putain de génie. Pour les jeux vidéo, en tout cas, je m'adore. Au revoir, ouais. Ah, c'est le dossier. T'as pas encore ex-femme. Ah, elle est partie, je t'aimerai toujours, Wendell, je te déteste que nous soyons arrivés là. Mais c'est ainsi, prends soin de toi et n'oublie pas de manger quelque chose de sain de temps en temps. T'as pas encore ex-femme, Trooper, oh, c'est triste. Alors. Ça, on prend. Ça, pourquoi pas. Comme ça, on a 10. Ça, ça, ça. Inventaire pur. Ok. Ah! Fais-moi rêver. Ah, bon. Bah, fais-moi pas vraiment rêver, en fait. Épée longue de fourmilion. Ah, ça c'est une épée quoi? Deux mains, du coup? Si c'est une épée longue.
Épée longue de fourmillon. Putain, c'est niveau 3. Incroyablement grand et lourd, fabriqué à partir de plusieurs pinces de fourmillon et assemblé pour former de nombreuses pointes létales. Putain. Non, par contre, ça doit être une main parce qu'il n'y a pas d'étourdissement. Je pense que deux mains, c'est tout le temps étourdissement. Elle a l'air classe. Enfin, elle a pas l'air, elle est classe. Voilà, donc ça fait juste des briques. D'accord, bon bah. Rien de spécial pour ça. Trudy was right, as always. Perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiments. But if I pack it up now, I will have nothing to show for it. No Trudy and the kids, no Spacer, not even my own health. The longer I'm here, the more I'm lumping up, aging, folding, raising. But why? What am I becoming? A wrinkly virus, flailing helplessly in the dirt with the mushrooms. They are my family now. Though we only branched on the evolutionary tree a little over a billion years ago, I can feel us getting closer again already. We're all a bunch of fun guys down here, aren't we? Oh, don't look at me like that. At least no one ever heard of a raisined mushroom, did they? Did they? Je crois que le mec il pète un câble. I'm all geared up. Le mec il pète un câble, genre l'autre elle l'a plus ou moins quitté sa femme. Il a fait que boire et il devient un peu fou. C'est ça. Bah non, c'est toujours ça. Oh putain. Où est-ce qu'on va là? Ah, on peut respirer là? Respirer là. On est bon. J'ai envie de remettre mon masque à gaz personnellement. Attempts to reverse cell age in mushrooms seem to be going well. Mutations are volatile but productive. The shift from phase 1 to 2 was almost a blur. There might be a reason it seemed like a blur, if I may be so bold. Well, who asked you, Burgle? Shouldn't you be tending to your tasks instead of eavesdropping through the intercoms? Huh? Now, where was I? Oh, yes! My friends, Marasmius aureatus here. The answer is hiding in that moist, supple flesh. And once I have it, I'll be back to normal Wendell in no time. Just like it was before this all fell apart. I'll walk into that presentation room and show those animate schmucks I belong. How do you like that? Director Schmechter. Trudy and the kids will come back. Everything will be back to normal. I just need these blasted shrooms to reveal their secrets to me. Forgive me, Dr. Tonelli. Did you say you wanted mushrooms on that? Ouais, il commence à déprimer le mec.
Il commence légèrement à déprimer, le mec. Never told me science could be this exciting. Nickel, nickel, nickel. Attends, parce que j'ai pas vraiment de place. Ah mais, d'accord. Attends, ça c'est éclat de marbre fragile. Ah ça c'est le robuste, ok. C'est pour ça que ça se stack pas. La forme est différente aussi. Ok, on a ouvert la porte. Bon. Il n'y a rien qui passe en folie, genre je sais pas, des grosses créatures et tout ça. Donc ça va. Donc ça va. Par contre, je crois que j'ai 2 doses d'eau. Ouais, je crois que j'ai 2 doses d'eau. Et j'ai pas à manger non plus. Non, si, j'ai à manger. Alors attends, où est-ce qu'on va courir? On va courir par là. Ok. Mais bon. Ah, ça fait peur. Take that, vampires. Allez. Je regarde s'il n'y a pas des trucs au-dessus, mais je pense pas. On a quoi? On a 2 doses, hein. D'accord, ouais, on a 2 doses. Je vais mettre le bouclier en raccourci. Ok, explosif là. Merde, évidemment. Enfin, on peut boire cette eau. Okay. Il y a un passage. Il y a un passage, mais j'ai pas de... Explosif, restituer de phase 3. J'ai une situation et mettre en place des procédures de défense pour assurer la sécurité de ce laboratoire. En ce qui est ainsi que cela puisse être, j'ai maintenant la certitude que la science brute est le catalyseur parfait pour la croissance et le changement. J'ai pas de lumière sous-marine. Ah. Alors, ça c'est un problème. Ça. What the fuck? Je suis bloqué. C'est un putain de boss.
Je fais quoi là? Je suis censé faire quoi? Faire gaffe parce qu'il y a des explosions partout. Merde. Il y a au moins deux explosifs. Explosifs là, derrière. On va d'abord faire les larves. Le bon truc, c'est que je crois que mon set m'aide en fait. Oh non! Il va falloir que... je fasse un truc. Il me faut la hache et il faut que j'enlève les explosifs. Oh.
confirmation que l'arbalète fonctionne avec le set de l'abeille. Maintenant on se concentre sur faire des dégâts parce que là... Yes! Et ils sont tous morts. Oh la putain. Est-ce que je l'ai pris en caméra? Parce que là... je suis trop... oui, je suis trop bon. Merci, merci, merci. Ouf! C'était pas prévu. Non, pas prévu du tout. Ça va. Encore heureux qu'on avait des biscuits là. Parce que sinon, laisse tomber le coup de la... Le coup de la... De l'endurance. Putain. Faut qu'on vire des trucs. Toi, casse-toi. Alors, l'arc est mort, il reste plus que l'arbalète. Quand j'ai dit que avoir l'arbalète et, l'arc c'est bien. Je crois que notre set a bien marché. Et ce qui est bien c'est que... Alors c'est pas que arc. Ah non, sans déconner. C'est pas que arc. On peut les faire au corps à corps ou pas? C'est arbalète aussi hein, le pollen. C'est tout ce qui tire. C'est tout ce qui tire. Là, on a eu encore la preuve. Je peux avoir un moment de répit là, s'il vous plaît. Oh yes. Explosifs. This has gone poorly. Very, very.
very poorly. The essence of failure, the pinnacle of its craft. Local fauna? Berserk! Mushrooms exploding! My condition, like a baby toe after a long bath. Burgle, are you there? Is this a test? Yes, Burgle, it's a test. Now listen carefully. I'm abandoning this facility immediately. Initiate the Blazed Earth Protocol. But Dr. Tully, simulations indicate a 95.283% probability of catastrophic failure. I assure you, the percentages are much higher than that. Now do it. Beep, beep, boop, beep, 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 boop. Why did you make fake beeping sounds? You said this was a test. I was being sarcastic. Ugh. Complete the lab lockdown, blast the canister per protocol, and meet me in the Black Ant Lab. Okay. Terre brûlée. Ouais, mais du coup, on a un passage là, mais j'ai pas de lumière. Il y a plein d'araignées. Je peux pas passer. Enfin, dans un sens, oui, mais on n'a pas de soins. On a juste les biscuits, là. C'est trop... Non, c'est trop chaud. Trop dangereux. Ah oui, c'est vrai que... Nice and safe. Trop dangereux, faut qu'on y retourne avec du soin et tout ça quoi, parce que là on a plus rien, là on a tout vidé. Bon, on rentre. Vite. Ça donne un peu de nourriture. C'est pas notre maison, mais c'est là-bas notre maison. On est bon. Eh ben, je suis super content d'avoir arc et arbalète et tout ça. Ça nous a sauvé la vie. Il faut qu'on regarde la mutation qu'on a eue. Et je crois que ça va être la fin de notre épisode parce que là, je suis épuisé. Je suis genre épuisé mentalement quoi. Ok, on est bon, on est chez nous. Ah, que je suis content qu'on ait eu ce set en fait. Parce que le fait de faire des AO de pollen, je crois que ça a aidé quand même. Hein. Genre ralentir tout ça, je crois qu'au final ça a aidé. Ah, et du coup, ouais, on a appris que ça marchait aussi avec l'arbalète. Donc tout ce qui est tir, hein, tout ce qui est distance, hein, quand il y a écrit quelque chose arc, c'est faux, hein, c'est distance en fait.
C'est moi ou il y a une... Par contre, on a 3 bombes, ça je suis content. Allez où ma gourde d'ailleurs? Nickel. Hop. On va mettre les bombes ici, parce que les bombes c'est une arme. On en a 3, très bien. Gratuite. Champignons, on les va les mettre là. Ça, on va les transformer. Les pierres là. Pas mal. Nickel. On a des pierres à aiguiser. Fragile. On connaît ça ou pas? Ah non, c'est parce que j'ai les coffres qui doivent être pleins. Cas de marbre robuste. Ça aussi. On doit avoir plusieurs. Tu vois? 83. 107. Quoi qu'attends, éclat de marbre robuste. Ah, ah c'est peut-être pour des plus hauts niveaux. Ouais, peut-être pour les plus hauts niveaux, genre peut-être après le niveau 5. Elle est bien cette dague, qu'est-ce qu'elle est bien. Honnêtement. J'ai bien envie de l'augmenter. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner le... Attends, d'abord il faut manger. Et on va donner le... Oui, la puce. Ah oui, on peut mourir aussi de faim. Il y a d'abord ça, genre la perte d'endurance. Puis après on peut aussi mourir de faim. On a 120 secondes, pareil. Ah putain, quel con. Des fois je fais ça. Je sais pas pourquoi. Des fois je... Je le fais par erreur et ça me rend fou. Je tape. Comme un débile. On va donner la puce. Tastes good. Ouf, putain, c'était une aventure. Hein. Just like a fruit pounder. C'était une putain d'aventure. On va se remettre du soin et tout ça d'abord. Nickel. Je pense que ça aide ce truc d'hyperactivité là. Au lieu d'avoir le truc douteux, on a ça à la place. Faudrait qu'on aille récupérer. Enfin, avec toute la moisissure qu'on a, on pourrait récupérer. Comment ça s'appelle ? Des œufs pour faire des bombes, encore plus de bombes. C'est vrai que c'est quand même très chiant à faire. Mais bon, à la limite, ça, je le ferai peut-être de mon côté. Je vais voir encore une fois. Si c'est juste des trucs de farm comme ça. Mais ouais, c'était intéressant. Et ah oui, je n'ai pas regardé la mutation. Mutation de boss, en tuant le boss. Putain, c'était un boss, quoi. C'est ouf.
Ok, très bien, fais voir. Oh la vache, alors mutation. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça. Alors, prise de truffe, le champignon du brouillard s'est infiltré dans ton petit corps et ajoute son pouvoir à tes attaques à main nue. What? Ça veut dire quoi ça? Ok, ça tape vite. Là c'est pareil, donc ça doit être les dégâts et peut-être que ça explose. Faut tester. Peut-être que ça genre, je sais pas, ça fait un point explosif, j'en sais rien. Il est où le robot? It is nice to see. How can I help you today? Your resourcefulness is truly remarkable, Maxwell Smalls. I thought you, for sure, would have perished by now. Hand over the super chip and let us hope for the best. One more time. Processing. Processing. On avance bien hein, en faisant une petite base au centre. The Haze super chip. Dr. Tully tried deciphering the ageless properties of mushrooms. Disaster struck before he was able to finish. All of these great memories are coming back. Well, well, well. Some good news. A piece to the Ambigan cocktail recipe is now restored. But not all of it, unfortunately. And I have some strange memory fragments of a Java-matic. Does that mean anything to you? A coffee maker. Interesting development. Although I cannot say I love the taste of coffee, and I certainly have no clue how this fits into the equation. However, we are making progress solving this mystery. But we are still not done. There is one more super chip to go. Have a great day. Yay. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Récupère la dernière puce, oui. Dévorer la puce du brouillard. Atelier scientifique, ça marche. Cocktail agrandissant. Alors là, on peut faire quoi avec ça? Plus de consommables, ça vaut le coup maintenant, mais bon, dans un sens, je me dis, on se débrouille sans, je sais pas trop. Enfin, là, c'est... ça aide, faut avouer ça aide. Bâtiment de production avancée. Prépare quelques trucs. Ah, mais ta gueule! Pardon. Tournez. Prépare quelques trucs pour en faire de meilleurs trucs. Ah, ok. Lisière de champignons. Pâte épaisse fait appartenir à un mélange de morceaux de champignons. Briques en champignons. Nécessite ça. Je crois que la fournée, c'est ça, là. C'est avec ça qu'on fait. C'est ça qu'on va débloquer. Après, on a quoi d'autre? Je crois qu'on a que ça. Tourelle, gravion. Des tourelles stationnaires qui nécessitent d'être manipulées. Tire des gravions à grande vitesse pour détruire les ennemis. Inflige des dégâts supplémentaires aux créatures impliquées dans les événements défensifs. Ouh, ça, c'est peut-être des dégâts, ça, par contre. Comparé à l'autre qui est plutôt pour ralentir les ennemis, en fait. Ah, quoi en plume? Version triangulaire donc toi en plume. Livre de recettes brouillard. Chance de coup critique avec de l'araignée. Oh ça c'est plus facile à faire. Ah quoi que non, je sais pas ce que c'est ça. Endurance de combat avec les champignons et la... Ouais c'est pas mal. Putain il y a plein de trucs bien. Oh ça y est maintenant. La masse mentholée, on la connaît maintenant ou pas? Ça, là. J'en ai pas de ça. Ça, je sais comment on le récupère. Putain, je m'en... Non, je m'en rappelle plus. Si, c'est les trucs qui font... qui roulent. Ça, c'est des pétales. Ça, je sais...
Ça, moi, j'ai les petits. Moi, j'ai pas les gros morceaux comme ça. Bon, on va prendre ça. Et après, il reste 4300. Donc, moi, je suis tenté par la tourelle Gravio. Voilà. Faut qu'on tape un truc. Putain, il y a encore une fourmi qui va s'en prendre dans la gueule. Si on peut peut-être faire autre chose, peut-être, parce que comme ça, je me fais attaquer à chaque fois par les fourmis. Ouais. Ouais, mais du coup, faut savoir si ça fait des gros dégâts. Est-ce que ça fait des dégâts à ma base? C'est ça la question. Est-ce que ça fait des dégâts à ma base? Parce que ça... ouais, non, je veux bien utiliser, moi, pendant la défense. Genre, si on fait que des AOE sans cesse. Genre, imaginez, on a des trucs avec pas mal d'HP, on fait que des AOE d'explosion, c'est bien. Mais bon, si ça me détruit les murs en même temps, c'est moins bien. Par contre, je peux pas m'enlever l'arme. En fait, le jeu, il veut pas me laisser switcher entre, genre, main nue et une arme. Faut que je m'équipe l'arme et après que j'aurai appuyé pour l'enlever. Genre, la main, c'est pas considéré comme une arme. Mais ouais, non, c'est intéressant. Est-ce que je peux taper un mur et le faire exploser? C'est une autre question, ce serait bien. Dans un sens, on devrait taper un mur à main nue, genre une palissade, et voir si ça explose, voir si ça fait des dégâts. Pour être fixé. Mais bon, je pense que je testerai ça, genre entre deux épisodes. Genre, parce que je vais sûrement me faire attaquer et tout ça, donc je testerai. Après, on peut taper des trucs à côté des murs, en fait. Genre des charançons et tout ça. On verra. Je ferai des tests. Bon, ben là, on a une tourelle gravillon. Bon, là, ça m'intéresse un peu mieux. Un peu plus, parce que... La tourelle qui ralentit... En fait, c'est bien pour du multijoueur, là. Parce que la tourelle qui ralentit, bah, c'est cool. Mais solo, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant, parce que ça fait pas de dégâts. Mais la tourelle gravillon, là... ouais, non. C'est bon, là, on va faire des dégâts, là. Content. Je crois qu'elles sont sorties. Ça doit être un 10% de chance, j'imagine. Ouais, ouais, je dirais un 10%.
Mais c'est intéressant. Nice snooter, dude. Je l'ai enlevé ou quoi? Non. Revenez! Je fais des tests, merde. Restez côte à côte. Fais chier. Je fais des tests, hein. On peut faire péter ça ou pas? J'imagine que non. Oh, c'est quoi ça là-bas? It's no lemon crime, but... On va s'arrêter là. Par contre, je sais pas pourquoi cette échelle elle est lumineuse à chaque fois. Having a little peep. Ah putain de saloperie quoi. Oh, j'en ai marre de ces merdes. Tellement marre. Tellement ras le cul de ces saloperies, j'allais être défoncé. Si elle revient, je le ferai plusieurs, c'est pas grave. On va faire ça. Donc, on a débloqué d'autres choses. L'arc, il faut que je le remette. Désolé, je prends un peu de temps. Je commence à fatiguer en fait, donc je suis un peu plus lent. Mais on a fait tellement de trucs là, j'en peux plus quoi. Ça va, l'arc il augmente, sympathique. L'arbalète est toujours mieux évidemment. Alors, donc ça on l'enlève, c'est bien mais voilà. Hydratation, ça aussi c'est utile. Critique, brise rock, on n'a pas besoin de brise rock. Sans doute célérité niveau 2. Très bien. Alors maintenant on peut faire cocktail agrandissant. Ah! Cocktail alimente les cellules d'agrandissement attachées à la plateforme Spacer. Ah d'accord, il faut récupérer des trucs. Éclat de chewing-gum. Putain. Ça marche. Alors, c'est ça. Fournée, morceau de charbon, Everchar. Ok, le charbon, je sais où c'est. Je sais où c'est. D'accord, donc il faut qu'on aille récupérer du charbon. Et après, on a les tourelles gravion. Ah, les tourelles gravion, ça c'est pollen. Donc ça, c'est manipuler, tirer des pollens pour aider à abattre les ennemis volants. Infuse des dégâts supplémentaires aux créatures invulnérables. Donc ça, c'est bien pour les ennemis qui volent surtout, apparemment. Et ça, tourelle stationnaire qui nécessite d'être manipulée, tirer gravion à grande vitesse pour détruire les ennemis. Infuse des dégâts supplémentaires aux créatures invulnérables de défense. D'accord, donc moi, je vais me faire ça sur le toit. Éclat de chewing-gum. Moi, je vais me faire ça sur le toit. Le charbon, je sais où il est, le charbon. Le charbon, il est... ça, c'est la table, il est là. Il est ici. Donc, on va devoir aller ici. Par contre, il faut monter vers la cour supérieure. Ah, il faut une bombe! Je me rappelle maintenant. Vous vous rappelez, il y avait une sorte de mur qui bloquait. Il faut une bombe ici. Donc la prochaine fois, on va partir en excursion là-bas. Par contre, enfin, on devrait retourner ici au labo de brouillard, honnêtement. Ah, je vais me le marquer sur un bloc-notes, honnêtement. On va faire labo de brouillard en premier.
Je vais me le faire maintenant parce que sinon je vais oublier. Labo de brouillard dans l'eau. Alors, labo brouillard dans l'eau. Parce qu'il y a. Et par contre, il y a des araignées et tout, ça va faire chier. Je crois que j'en ai compté au moins deux, genre l'une sur l'autre, quoi. Okay, ça, c'est relou. Et après, du coup, charbon. Charbon et il faut une bombe. Par contre, la bombe. Je me demande si on devrait pas prendre une bombe collante. Plutôt. Parce que il n'y avait pas de où on pouvait faire reposer la bombe en fait. Je pense qu'il faudrait une bombe collante. On les a les bombes collantes? On les a pas. Merde, c'est où que j'ai vu bombe collante moi? On l'a pas débloqué ça, les bombes collantes? Je l'ai vu quelque part, mais je sais plus où. C'était avec de la sève et je sais plus quoi. Ça doit être ça. Ah, on l'a pas appris du coup. Ah, c'était un truc à apprendre, genre à débloquer. Merde. Parce que si ça. Parce que si la bombe retombe, on est pas dans la merde. Je sais pas. Que ça avait l'air d'un mur, mais c'était étroit en fait, donc moi je dirais de balancer ça et le coller au mur directement. Enfin bref, pas grave, on verra ça plus tard. Voilà, ce sera tout pour notre vidéo. Très content de ce qu'on a fait. Bon, on n'a pas appris grand-chose de nouveau en armes. Je crois qu'on a quoi? On a les. Ouais, mais ça c'est parce qu'on a monté de niveau, donc c'est pas. C'est pas pour maintenant. Fourmi noire, on n'y est pas vraiment encore. Marteau insecte. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hache termite. Ce sera pour plus tard aussi. Je me demande s'il y a mieux. On peut faire des flèches plumes. On pourrait en commencer à en faire. Ça fait un peu plus de 1. Flèche normale, c'est 1. Et là, c'est un tout petit peu plus de 1. Ouais, bof. Peut-être pas vraiment utile, en fait. Récupérable après un tir. Là, ça dit pareil. Tir de corne en soie. Pas comment on fait du fil de corne en soie. Je sais pas. Après, j'imagine que le. J'en sais rien si ça sert vraiment à quelque chose. Je me dis que c'est en fait c'est pour faire surtout ces flèches-là. Mais bon, si on peut faire des flèches de plumes, on peut en faire une cinquantaine. Déjà avec tout ce qu'on a. Pas moins, parce qu'une corde de soie, il en faut trois à chaque fois, donc c'est la merde. Dans le sac à dos, 60. Ouais, il nous en faudrait une soixantaine en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Bon, ben, on est bien. Je vais vous laisser là, parce que sinon, j'ai rien à dire. C'était très bien. On a bien avancé. On a récupéré une nouvelle puce. C'est cool. On a débloqué des nouvelles choses. Moi, je vais mettre plus de défense là. Ouais, elle est là. Je vais mettre une défense à gravier là et tester un peu et voir si c'est cool et tout ça et peut-être vous montrer en vidéo. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé et ciao ciao.